des raisons qui nous sont inconnues, il y a des endroits sur notre planète qui défient toute logique. C'est dans ces endroits où les forces semblent hors de notre contrôle ou de notre compréhension, et seuls ceux qui sont assez téméraires pour s'y aventurer parviennent à assister à l'impossible, bien qu'ils finissent malheureusement par disparaître, et leur histoire avec eux. Disparition étrange. Plongeons dans ce lac pour découvrir ses secrets. Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après une semaine un peu difficile pour moi suite à un problème de santé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Que se cache-t-il derrière les mystérieuses disparitions du lac maudit de Chine? Parmi la beauté naturelle des zones rurales de la province de Jiangxi, en Chine, se trouve le lac Poliang. Avec des dimensions d'environ 3500 km², c'est le plus grand lac d'eau douce de toute la Chine. Mais en 1363, le lac a été le théâtre de la bataille navale, peut-être la plus grande et la plus sanglante de l'histoire, lorsque les grandes flottes des dynasties Ming et Han se sont affrontées contre la dynastie Yang de Chine dirigée par les Mongols, dans ce qu'on a appelé la bataille de lac Poliang. Mais l'histoire sinistre et violente du lac est aussi empreinte de mystère, avec des navires disparus pour ne plus jamais être revus. L'une des mystérieuses disparitions s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 16 avril 1945, l'énorme cargo japonais Kom Maru, avec ses 200 soldats, se trouvait près du temple Laogne, chargé de trésors volés, lorsqu'il a coulé inexplicablement dans des conditions météorologiques normales. À la suite de ce mystérieux naufrage, la marine impériale japonaise a envoyé une équipe de sauvetage de 7 plongeurs experts pour récupérer la précieuse cargaison du navire, mais un seul des plongeurs a survécu. Quand ils ont interrogé le plongeur, ils ont trouvé un homme pris de terreur par quelque chose qu'il avait vu dans les profondeurs. Ce que le plongeur a vu n'a jamais été divulgué et n'a plus jamais été entendu par les autres plongeurs ou l'équipage du Kom Maru. À la fin de la guerre, le gouvernement chinois a tenté de récupérer le navire dans l'espoir de récupérer certaines des antiquités et des reliques qui avaient été volées aux Japonais. Les Chinois ont embauché l'expert américain en sauvetage Edward Bauer dans l'espoir de retrouver l'épave. Mais encore, plusieurs plongeurs ont disparu, sans laisser de traces. Bien que le plus étrange soit que le navire n'ait coulé qu'à 9 mètres de profondeur. Des décennies après, Bauer a raconté une histoire assez étrange à United Nations Environment News. L'expert en sauvetage a déclaré qu'en plongeant avec son équipe, il avait vu une lumière aveuglante dans l'obscurité, suivie d'un son surnaturel fort. Il a expliqué que le lac lui-même semblait trembler et qu'il était poussé par une force invisible. Bauer prétendait qu'il avait réussi à se libérer d'un étrange vortex qui les aspirait. Et quand il arriva à une certaine distance, il regarda avec horreur son équipe disparaître dans une lumière vive et pulsante au fond du lac. Le Kom Maru et les plongeurs qui sont allés à sa recherche ne sont pas les seules victimes du lac. Ses eaux ont englouti d'innombrables bateaux de pêche, bateaux de plaisance, cargos et navires militaires. Au cours de la période des années 1960 aux années 1980, quelques 200 navires et plus de 1600 personnes ont mystérieusement disparu dans le lac Poyang. Le 3 août 1985, 13 navires au total ont disparu sans laisser de traces, en une seule journée et avec des conditions météorologiques stables. Les quelques personnes qui ont réussi à survivre à ces disparitions mystérieuses ont connu le temps perdu, la désorientation, la maladie mentale chronique, voire la folie. En 2001, un gros cargo qui transportait simplement du sable a été surpris par une grosse vague dans des conditions calmes et a coulé sans laisser de traces.
Un cas plus récent est celui qui s'est produit en mars 2010, lorsqu'un navire d'environ 1000 tonnes a coulé soudainement dans une journée calme, près de la côte et sans raison apparente. Ses restes n'ont jamais été localisés. La chose la plus étrange à propos de ces disparitions, mis à part le grand nombre de navires et les conditions météorologiques dans lesquelles elles se produisent habituellement, est qu'il s'agit d'un lac relativement peu profond. Donc trouver les restes de ces navires ne devrait pas être un problème. Jiayu Jiang, chercheur à l'Institut de géographie et de limnologie de Zhangjiang, qui a passé une partie de sa vie à essayer de trouver une explication aux mystérieuses disparitions, s'est dit surpris du grand nombre de navires disparus et de l'absence d'épaves ou de restes humains. Les seuls indices trouvés remontent aux années 2000, lorsqu'une expédition d'archéologie sous-marine a utilisé un équipement de sonar avancé pour localiser des anomalies magnétiques. L'une des anomalies semblait montrer le contour d'un navire, mais ils n'ont pas pu récupérer l'épave. Il existe de nombreuses théories sur ce qui pourrait se passer au lac, allant du naturel au surnaturel. Une théorie est que l'affaissement est causé par la formation soudaine de hauts fonds. Certains de ces navires auraient pu heurter n'importe lequel des bancs de sable ou avoir été affectés par les tourbillons générés par les courants d'air. Cependant, cela n'explique toujours pas la curieuse absence d'épaves. D'autres pensent que les mystérieuses disparitions pourraient être causées par des portails interdimensionnels spontanés, d'étranges vortex, des trous noirs liés à la Terre, des anomalies magnétiques inexpliquées, des éclairs monstrueux, des forces surnaturelles ou bien sûr des enlèvements extraterrestres. Il y a aussi des experts qui suggèrent que le lac Poliang est situé au 30e parallèle nord. Ceci est important car il coïncide avec d'autres lieux importants et mystérieux comme les pyramides égyptiennes ou le célèbre triangle des Bermudes. Qu'y a-t-il vraiment de caché dans le lac Poliang? Est-ce simplement un lieu rempli de phénomènes naturels intenses? Ou est-ce un endroit où règnent des forces surnaturelles? Les autorités chinoises ont émis pour la première fois une alerte rouge pour le lac Poyang, au centre du pays. La plus grande réserve d'eau douce de Chine a atteint vendredi 23 septembre 2022 son plus bas niveau depuis 1951. Les affluents du grand fleuve de Chine se retirent de jour en jour, semblant dessiner une immense fleur sur le fond asséché. Les vues aériennes diffusées par les médias d'État seraient presque belles s'il n'y avait pas urgence. La météo ne voit en effet poindre aucun nuage à l'horizon. S'il ne pleut pas, le niveau de l'eau pourrait descendre en dessous des 6 mètres ces prochaines semaines. Une situation de sécheresse qui affecte aussi les provinces voisines. C'est la fin de cette vidéo, je suis désolée, elle n'est pas très longue. J'ai encore beaucoup de mal à respirer. Donc j'ai pas trop envie de ressembler à Dark Vador. Donc malheureusement, je ne pourrai pas continuer. Je pense pas en refaire avant les fêtes de fin d'année. Peut-être que je serai de retour le 26 décembre. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.